Alors bonjour à tous, bonjour aux lecteurs RC Mag. Donc voilà, Jérôme Sartel, donc Société Nemo Racing. On a décidé avec, en partenariat avec RC Mag, d'organiser une petite vidéo pour vous présenter un peu la gamme de pneus VP Pro. Donc on a présenté rapidement un peu la gamme. Donc vous avez ici les deux derniers profils qui viennent de sortir, qui sont le Blade et le Grips. Donc c'est des pneus toute dernière génération, ils sont apparus sur le commerce à peu près en tout début d'année, là, aux alentours de janvier. Donc le Blade est un pneu plutôt typé piste très propre, très rapide, c'est un pneu qui a beaucoup d'adhérence. Il est très très rigide au niveau de sa structure et il est très très rapide sur les pistes plates où il y a du grip, etc. Donc un pneu, on va dire, efficace mais parfois un peu pointu à conduire, mais en général très rapide. Le Grips est plutôt un pneu à l'aise dans les circuits un peu abîmés, dans les trous, etc. En général, les pilotes aiment utiliser ce pneu pour la facilité. Enfin, chacun des deux ont une très bonne usure, c'est-à-dire qu'ils s'usent assez peu. Donc c'est des pneus plutôt typés pour faire des finales, on va dire. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez les anciennes générations qui sont le Cutoff, le Axeman ici et le TurboTrax. Donc rapidement, le TurboTrax est un pneu donc mini-pin qui est très très efficace, je dirais, sur piste indoor comme la Neo Buggy par exemple, des pistes comme ça, ou bien sur piste également plate, roulante et surtout propre. Donc dans ces conditions-là, vous avez vraiment beaucoup de grip. Par contre, c'est un pneu qui est très peu utilisé lors des finales parce que, comme vous pouvez le voir, un pneu mini picot, donc très très efficace, mais en général la durée de vie n'est pas aussi importante qu'un pneu comme le Blade par exemple, qui sera plus efficace sur une finale. Donc à la limite, sur une demi-finale, 15-20 minutes, ça peut le faire. 45, c'est souvent très très compliqué d'utiliser ce genre de profil. Donc après, vous avez le Axeman. Le Axeman est un pneu vraiment, je dirais, très polyvalent. Un pneu qui passe aussi bien dans les trous, la poussière. C'est vraiment un pneu qui marche toujours bien. Donc c'est un, en plus, l'usure est assez faible également, un peu plus que sur le Blade ou le Grips. Donc en général, sur une finale, ça passe, mais à la fin des finales, ils sont en général bien abîmés. Donc rarement réutilisables derrière, ou bien en entraînement. Mais par contre, bon, un pneu très accessible, c'est d'ailleurs le pneu que vous pouvez trouver dans les kits Agama aujourd'hui. Dans le kit, c'est un Axeman en gomme médium. Donc voilà. Et le dernier, c'est le... j'en ai oublié son nom. Le Cutoff. Donc un pneu un peu dans le même dessin que le Axeman, mais avec une hauteur de flanc. On peut comparer avec le Axeman qui est un peu plus grosse, donc un pneu qui sera un peu plus à l'aise, je dirais, par rapport à l'Axeman dans tout ce qui est piste bosselée, poussiéreuse, etc. Là, dans ces conditions-là, on a en général un pneu très très efficace. La dernière fois que je l'ai utilisé, par exemple, c'était au roadshow que nous avons fait aux Andelys. Vraiment impressionnant et bluffant d'efficacité sur cette piste. C'était une piste donc assez roulante, poussiéreuse, avec des petites ondulations, mais sans être complètement cassé. Donc voilà, dans ces genres de conditions-là, ça marche vraiment bien. Voilà un peu pour la gamme. Donc niveau présentation, donc en général, ils sont livrés dans l'emballage, indiquant sur le paquet tous les renseignements, si c'est collé, pas collé, la gomme, la couleur de jante, etc. Donc à l'intérieur, vous avez une petite ouverture passible, hop, on peut s'en faire une, avec un sachet zip. À l'intérieur, donc, vous pouvez trouver, donc ils sont vendus par paire et non par quatre, et vous avez en général un petit sticker sur VP Pro à l'intérieur, voilà. Donc en gros, ce qu'on peut dire
sur la gamme VP Pro actuelle. Merci Jérôme pour tous ces renseignements et bonne chance pour ta course aujourd'hui. Tu utilises quoi comme pneu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce matin, on utilisait les pneus, donc on est à la course du pain, donc la course top option du pain. Ce matin, on utilisait les pneus de Georges, qui étaient donc 4 SLD différents, donc c'était un peu compliqué. Là, je pense qu'on va utiliser du Blade Man. Alors le Blade Man, c'est un peu un mix que nous faisons. En fait, c'est du Blade devant et du Axeman derrière. En fait, le Axeman est un pneu très vif. Et sur cette piste qui est un peu accidentée, ça peut rendre un peu la voiture pointue sur une longue course, donc comme cet après-midi sur les finales. Par contre, le Blade procure beaucoup de confort, mais avec un peu moins de rapidité, donc j'ai décidé de mettre du Blade devant et du Axeman derrière pour avoir un mix, je dirais, assez facile à conduire, mais en même temps assez rapide. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça dit cet après-midi. Voilà. Merci Jérôme et bonne chance pour ta finale. Merci, et puis ben, si jamais vous voulez poser d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, donc jérôme@nemoracing.com, je vous répondrai et je vous apporterai un complément d'information si vous avez besoin. Voilà, à bientôt.